Shalom Aleichem, on est dans Shabbat, dans Siman Shin Kaf Het, Dine Chole Shesh Bo Sakana, la lachot d'un malade qui a Sakana, Mkom Shen Rofe, Likvoa Im Yesh Chasha Safek Ken, Sakana Badavar, Efshar Lismoch Al Kol Adam, Sheni Mitmatse Ksat Badavar, Veomer Shesh Bechol Yizeh Chasha Sakana, Et Kol Adam Nichshav, Quand maintenant il n'y a pas de docteur, on est dans la halakha kouf lamed guimel, il n'y a pas de docteur. Et on ne sait pas si maintenant le bonhomme, quand il est malade, c'est sakana, c'est un danger de mort, oui ou non. Il n'y a pas de docteur. Mais par contre, il y en a un, qu'un, il te dit, je vois, je connais cela, ça s'appelle un. Ça fait ou c'est un danger de mort. Est-ce qu'on va être Mechalel Shabbat, oui ou non? Si, peut-être la halakha va te dire seulement s'il y a un docteur. Un docteur, c'est quelque chose qui est compétent, c'est pas n'importe qui. Il va te dire, oui, c'est Sakana, tu vas être Mechalel Shabbat. Et si maintenant c'est pas Mechalel Shabbat, comment je peux maintenant prendre? Il faut savoir, selon la halakha, je dis la halakha, Ed Echad Ne'eman Bi'issourin. Maze Ed Echad Ne'eman Bi'issourin. Un Ed, un témoin, Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire qu'il est. On le croit dans un issour. Un, qu'il est religieux, il a une kippa sur la tête, il te dit cette viande là maintenant, cette viande cachère. Kavana, on parle de viande cachère, c'est glad. Et bien ça, tu dois le croire. Bah oui, il y a plein de gens qui disent à la croix qui sont pas vrais. Hein. Attends, doucement. On parle de quelqu'un que lui, il est religieux. Mais si un homme, lui, il a perdu sa trazaka de cacheroute. Il n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? Un, il ne mange pas cachère. Et deux, même que lui qui mange cachère, mais il ne fait même pas attention à ce qu'il mange. Il mange n'importe où. Et il te dit, ça c'est cachère. Ouais, ça c'est cachère. Mais tu as vu maintenant la théouda, tu as vu maintenant le certificat, est-ce que c'est vraiment c'est cachère de manger ou non? Des fois, c'est stam. Alors, mais là, il a perdu cheskat cacheroute. Il a perdu sa trazaka que lui qui est cachère. Mais si maintenant, okay, c'est le docteur. Le docteur, il n'y a pas de docteur. Le bonhomme, il y a un bonhomme que lui, qu'il est Baruch Hashem. Tu peux compter sur lui. Ben oui, tu dois le croire. C'est-à-dire, il est mitmatse badava. Il connaît un peu. Mais si c'est un homme, il ne sait rien du tout. Rien. Eh ben ouais, c'est sakana. C'est une chose pareille. Si tu sais qu'il parle n'importe quoi tout le temps, tu ne dois pas le croire. Et toi-même, si tu as un doute, tu ne sais pas. Personne. Oh, si toi, tu es dans un doute, personne, tu es seul, ça fait sakana, on est Mechalel Shabbat. D'accord? Bon, c'est pas, et là tout de suite, on va se jeter. Il faut vérifier, une petite réflexion. Si maintenant tu es dans un doute, et même cette petite réflexion, c'est un danger, alors, dans ça fait sakana, tu n'attends pas. On lui dit le rab, ça sera moutard, parce que ça fait nefashot le haken. Quand il y a un safek, et quand il y a un, au niveau de nefashot, sakana, alors on y va à la kula et on est mechalel le Shabbat. Il nous dit le rab, Rofe goy shaomer shiesh choli bze sakana, shomim lo lechalel ta Shabbat. Un docteur goy, que lui qui dit, ça c'est un danger de mort. On l'écoute. Directement, on le prend à l'hôpital. Rofe Yehudi Mechalel Shabbat Besfaresia. Aomer Sheyesh Becholizeh Sakana Mitzaveh Lechalel Alav Ta Shabbat. Yesh Lehakir Et Me'ut Rofe. Im Hu Baal Matzpun She'eno Rotze Lehachshid Datiim Ve'eno Anti Dati. Yesh Lismoch Al Devarav Mishum Safek Nefashot Lehakel. Il faut savoir, un goy on a dit, mais non, le juif c'est pas pareil. Parce que le juif, Baruch Hashem, il y a dans les juifs, il y a beaucoup de. Il y en a des gens, quand ils voient quelqu'un qui a une kippa sur la tête, il est traumatisé, le bonhomme. Okay? Il voit les religieux. Partout. Et pareil qu'il voit les religieux partout, il a dans sa tête, lui, il veut trébucher les gens. Moi, je connais des histoires graves. Ouais, mais c'est un grave. Ils se sont remis à mignon. Hein. Non. Papa. Ouais, en Israël. Ils veulent faire trébucher. En Israël, oui. En Israël, c'est fréquent. Et si je vous amène des histoires, parce que la radio, les médias ici, Baruch Hashem, ils font pas le plus, ils font le contraire. Qu'est-ce qu'ils font les médias?
Les médias, ils influencent le contraire. Au lieu de faire shalom, bien, ils disent, t'as vu tous les religieux. Vous avez vu ces barbus. Ça veut dire que même s'il y en a en France, il y en a des barbus qui n'ont pas de kippa, c'est un goy. Alors, puisqu'il est barbu, alors il faut le haïr aussi. Alors, mais là, dans un cas pareil, qu'est-ce qui se passe? Ce docteur-là, maintenant, s'il va te dire, les halal et les shabbat, il faut toi que tu vérifies maintenant. C'est pas de compter sur ce docteur. Parce que ce docteur, lui, maintenant, il peut peut-être, il va te faire trébucher. C'est pour cela, toi, il faut que tu es vigilant. Il me dit, le Rav, yesh le hakir, il faut en premier connaître ce docteur. Si c'est ce docteur, il y en a des docteurs qui, quand je vous dis... Alors, c'est pas inutile, il n'y a pas de bayaz. Quand c'est un goy, il y a encore un problème. Ah, ok. Un goy, il te dit, ce malade-là, oui. Directement, ou même sa fake, dans un doute, tu es obligé de le prendre tout de suite à l'hôpital. Mais si maintenant c'est un juif, là il faut que tu connais ce juif là. Il y en a des docteurs, je vous dis franchement, qui travaillent avec les religieux et ils ne peuvent pas les sentir. Parce qu'ils sont compliqués. C'est-à-dire tout ce que tu veux. Pour l'instant maintenant, Alaha, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'écoute. Ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, fais attention, ce docteur là, il ne faut pas que tu ailles là-bas chez lui parce que lui il a eu les religieux. Quand je regardais ce docteur... Il doit jamais les... Quand j'ai vu ce docteur, ça ne se voit pas. Mais il y a eu des témoins qu'ils ont dit. Ok? Shemirahem. Alors il me dit, Laura, il faut en premier connaître le docteur. En premier, son attention. Si maintenant il est Baal Matzpoun, si maintenant lui il a Baal Matzpoun, ça veut dire que lui, en lui, il déteste les religieux, il veut les faire trébucher. Excusez-moi, c'est pas le contraire ça. Baal Matzpoun, ça veut dire qu'il a quand même du Matzpoun. Le contraire, c'est qu'il s'en fout. Non, Baal Matzpoun, ça veut dire que lui, il a le Matzpoun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est, il a le conscient. Il est bien, c'est quelqu'un de bien. Oui. Chez Eno, regarde, chez Eno. Chez Eno, Baal Matzpoun, Zébaïa. Chez Eno, Rotzalarchidatim. Que lui, il ne veut pas faire trébucher des religieux. Et Eno, Antidati, et il n'est pas contre les religieux. Yesh Lismor, il faut compter sur ce docteur-là. Et si le docteur dit transgresse le Shabbat, tu transgresses le Shabbat. Sinon, si maintenant tu vois que c'est le bon, ce docteur-là, il veut faire trébucher avec le religieux, maintenant, qui c'est qui va juger alors? C'est plus le docteur, c'est toi-même. Alors comment tu vas juger? Comme il nous a dit le rab. Tu n'as pas de docteur, tu n'as rien du tout, tu te trouves dans le désert, c'est toi-même. Ça fait que, tu dis, ça fait que Sakana, tu transgresses Shabbat. Ça fait que. Omna, Mimesh, Lefanav, Rofe, Shomer, Torah, Mitzvot. Si il a devant lui un docteur qui est Shomer, Torah, Mitzvot. Verofe, que lui, il n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Il y a 2 docteurs. Un qui est Shomer Torah Mitzvot, un qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot. C'est sûr qu'il faut prendre le docteur que lui, il est religieux. Pourquoi? Parce que c'est le docteur qui est religieux. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va diminuer le Hilul Shabbat. Et si on sait qu'il n'est pas bon, il n'est pas compétent. C'est une question. Très bien. Non, c'est une très bonne question. C'est ma question. Si tu sais que lui, il n'est pas compétent, et tu vois que l'autre qui est compétent, alors pas d'accord, c'est bien de prendre compétent. Celui-là qui est compétent. Pourquoi? Parce que toi, c'est un danger. Tu ne s'amuses pas avec le danger. Mais on parle maintenant dans un cas que les deux docteurs, ils sont Baruch Hashem, les deux c'est pareil. Parce que le docteur qui est religieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il a devant lui le Shabbat aussi. Ils savent, ils sont habitués les docteurs, comment être Mehalel Shabbat. Quand être Mehalel Shabbat, quand ne pas être Mehalel Shabbat. Mais le docteur, puisqu'il est professionnel, alors lui, il sait exactement comment être Mehalel Shabbat. Et il sait, quand il y a vraiment un piquoir nefesh, vraiment un danger, lui, il ne va pas s'arrêter. Qui c'est qui va s'arrêter? Un homme qui ne connaît rien du tout. Alors lui, il ne va pas se précipiter. Il va tout le temps être dans sa tête. Peut-être que ce n'est pas plus courant d'être. Peut-être que ce n'est pas plus courant d'être. Tout le temps, il va se remettre en question. Et ça, c'est un danger pour le bonhomme. Le bonhomme, que lui, qu'il est en danger de mort, c'est un danger. Un homme qui est mitmahamea. Mitmahamea, ça veut dire qu'il est tout le temps dans un doute. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est un danger. Azakobo.